Oh, un fin te v'là. Qu'est-ce que c'est que ce bouvard? J'ai eu quelques petits embêtements. Mais on dirait qu'il y a eu un bombardement d'âme court. Ben oui. Touillé ça su dessous. Et c'est le bedoule. Et ça pue. Ouais. Et ces morceaux de vierge tout partout. Ouais, t'as ça... cassé un carreau? Non, c'est une couche du gardin. Et pourquoi t'as levé une couche? Ben, il me fallait un carreau pour remplacer ce ticket cassé. Du chat? Là, au lanterneau. Ben, t'as fait un compte pour... Décrochant le fil de fier du jusque de pantalinche. Et me lessive qui est au-dessus? Je l'ai mis dans une banse. Mais le topin sec? Je pourrais tourbuer. Mais j'avais besoin d'un fil de fier, il y a que stylal. Et pourquoi que t'avais besoin d'un fil de fier? Pour déboucher le fil de Joe qui passe pas dessous les dalles. Comment ça se fait? Il le taupe pas quand je suis parti. Un petit accident, ça fait comme une inondation ici. T'avais pas fermé le robinet peut-être? Je pouvais pas le fermer, il n'a plus. Quoi? C'est-à-dire que j'ai dû l'enlever. Mais pourquoi que t'as enlevé ce robinet? Pour mettre le tuyau d'arrosage. Mais tu sais bien qu'il va pas sur le robinet. Sais pourquoi j'ai dû l'enlever. Pour mi, t'as pas tout. Et pourquoi que t'avais besoin de ce tuyau d'arrosage? Pour nettoyer le cours. Mais je l'ai nettoyé hier au soir. C'est bien. Et à ce te rendu un pourcing. Ben c'est pour ça. Mais ça vaut pas te servir du balai? Et c'est ce que j'aurais fait si le manche n'était pas cassé un deux. Mais qu'est-ce que t'as dans le ventre aujourd'hui? Et pourquoi que le cours est sale comme ça? Mais parce que j'ai voulu approprier le lapin. V'là de cosse. Ah, je te jure que c'est au pain du luxe. Ce litière, c'est au du fumier. Et alors? Ben v'là tout. Tout quoi? Ben tout. T'es pas un petit peu déragé, Tino? Non, c'est parce que je t'ai tout expliqué à l'invière. Te va vire. Quand t'es parti, j'ai vu que le litière du lapin, elle était toute fraîche. Ouais. Alors je m'ai dit, puisque c'est dimanche, eh ben je vais canger tout ça. Bon, j'ai sorti le lapin et j'ai pris ce caisse pour aller le vidier. Mais crac, le fond qui est au tout bois, ça a détaché et tout, il n'y a que partière. C'est ça, ce fumier? Ouais. Et alors? Alors, j'ai voulu balayer chez saleté, patatrac, que le manche du rameau qui casse tête un d'eux. Je me dis, je vais laver tout ça à grandio. Je vais acquérir le tuyau d'arrosage au gardin. Mais il va pas sur le robinet. Faut le visser, tu sais bien. Ben oui, alors je dévisse le robinet, mais c'est pas le même fil tache. L'eau et le courant tout dit pendant ce temps-là. T'as beau qu'à fermer le compteur? C'est ce que j'ai fait, mais le courant, elle est déjà inondé. Et le fil d'eau bouché. Tu m'avoueras. Alors quoi faire? Déboucher le fil d'eau, hein? Alors prochaine fois, un long fil de fier. T'as rien trouvé de mieux que des pattes malins qui est au-dessus. Ça doit être du propre. Ben j'ai fait pour le mieux. Alors j'ai saqué sur le fil de fier et paf. Le piton y est venu avec et il a été tapé un plein dans le lanterneau. C'est le jour, quoi? Alors je me suis dit, le vitailler est fermé. Et t'as été éteint une pousse. Voilà. Et tu l'as laissé éteint ici. C'est-à-dire qu'à mon temps, lesquels, le troisième bougeon, il s'est cassé. Alors. T'as tout lassé. J'aurais pu me casser un gant. Au point que t'as netto? Ouais. Ben, t'as fait jamais lourd le dimanche. Et quand tu t'y mets, on vole place. Et à cette heure, tu vas tout laisser comme ça. Eh ben, faut bien. Ça vaut plus la peine. Quoi, ça vaut plus la peine? Ben ouais, le lapin y est couru un veau.